Les efforts diplomatiques russes s'intensifient pour trouver une solution au conflit syrien. Moscou a reçu ce jeudi le vice-ministre des Affaires étrangères syrien, Faisal Moghdad. Une visite qui intervient quelques jours avant celle de l'émissaire international, Lakhdar Brahimi. Selon le quotidien français Le Figaro, un accord entre les Russes et les Américains serait intervenu pour soutenir la constitution d'un gouvernement de transition ayant tous les pouvoirs et sur le maintien de Bachar al-Assad jusqu'à la fin de son mandat en 2014. Un mandat qu'il ne pourra pas renouveler. Dans le même temps, sur le terrain, la guerre continue. Le président syrien n'aurait manifesté aucune volonté d'engager des négociations pour mettre un terme au conflit qui dure depuis 21 mois. Dans le même temps, le voisin turc continue d'accueillir les milliers de réfugiés syriens. Actuellement, il serait près de 148 000 à avoir trouvé refuge de l'autre côté de la frontière.